sommes en direct sur TV et Radio de Vie. Soyez tous les bienvenus. Seigneur, nous te confions cette soirée. Papa, nous voulons te dire merci pour ta bonté, pour ton amour envers nous. Seigneur, Papa, merci pour ta sollicitude. Merci pour l'œuvre, Seigneur, de la croix dans nos cœurs. Merci pour la résurrection, Seigneur de Yeshua, notre Père, notre Seigneur, notre Maître, notre Dieu. Il est tout pour nous, Seigneur, et nous voulons ce soir nous approcher, Seigneur, de ton trône, tel que nous sommes. Nous voulons te demander pardon pour nos fautes, nos failles, nos péchés. Pardonne-nous, purifie-nous par ton sang. Nous te bénissons pour ton peuple qui prend de plus en plus conscience, Seigneur, du temps dans lequel nous sommes. Nous te prions au nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà, mes amis, sans plus tarder, nous allons prendre 1 Chronique, chapitre 12, verset 32. Et 1 Chronique 12, 32, le passage que nous avons lu hier. Voilà, cette fois-ci, l'écran fonctionne. Merci l'équipe technique pour votre motivation, votre sérieux. Merci. Des fils d'Issacar, fort intelligents dans la connaissance des temps, pour savoir ce que devait faire Israël, 200 de leurs chefs et tous leurs frères sous leurs ordres. Ou encore des fils d'Issacar, et ayant le discernement et la connaissance des temps pour savoir exactement ce que devait faire Israël. Voilà, Israël était, mes amis, est une nation, comme vous le savez certainement, que Dieu a mise à part, et depuis toujours, pour une œuvre particulière, et cette nation avait besoin, n'est-ce pas, d'hommes et femmes qui avaient le discernement concernant le temps, le discernement des temps et la connaissance de temps. Et il se trouve que sur les 12 tribus, une seule, la tribu justement d'Issacar, était remplie d'hommes ayant la connaissance et le discernement des temps. Le Seigneur Yeshua disait aux pharisiens dans Matthieu chapitre 16, et hypocrite, leur disait-il, vous savez discerner l'aspect du ciel, mais vous ne pouvez pas discerner les signes des temps. Alors, de quel temps parle-t-on ici? Il y a deux temps, il y a deux types de temps. Le premier type, c'est le temps physique, naturel. On parle des saisons, on parle de, n'est-ce pas, de l'automne, on parle de l'hiver, du printemps, et on parle du matin, on parle du soir, on parle de secondes, on parle des minutes, on parle des heures, on parle, n'est-ce pas, des semaines, des jours, des semaines, des mois, des années, des décennies, et des siècles. Et ça, c'est le temps physique. Et ce n'est pas ce qui nous intéresse ce soir. Nous allons plus nous focaliser sur le temps spirituel. Parce que ce temps-là, mes amis, est important pour ceux et celles qui espèrent en Yeshua, en Jésus-Christ. Et en tant qu'Église de Christ, en tant que chrétien, en tant que disciple du Seigneur Yeshua, nous avons besoin de discerner le temps. Parce que Dieu a annoncé un certain nombre de choses qui doivent se réaliser avant son retour sur terre. Et nous avons besoin de connaître ce temps-là parce que le Seigneur nous dit que nous devons veiller, n'est-ce pas? Nous devons être prudents. Et l'apôtre Paul, dans Romains chapitre 13, à partir du verset 11, il disait aux chrétiens de Rome, ainsi qu'à nous autres, même vu la saison, parce qu'il est déjà l'heure de nous réveiller du sommeil, car le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. La nuit est avancée et le jour approche. Donc, on voit bien que Paul avait le discernement des temps. Il pouvait ici discerner facilement l'évolution des choses, l'évolution, l'écoulement de temps. Donc, il a su que, en esprit, bien sûr, par l'esprit, grâce à Dieu, que la nuit était avancée et le jour approchait. Donc, il est question ici du jour de Yeshua, le jour de Yahweh, le jour de Christ, le jour de Dieu, le jour du Seigneur. Et c'est-à-dire le moment précis où Dieu va intervenir directement dans les affaires humaines pour mettre de l'ordre. Parce que actuellement, et depuis la chute de l'homme, la chute d'Adam et Ève dans le jardin d'Éden, le monde est dans le chaos.
et ce chaos prend de plus en plus de l'ampleur. Et alors nous avons un certain nombre de choses prophétisées par les prophètes juifs qui doivent se réaliser, qui doivent s'accomplir, qui doivent arriver avant justement le jour du Maître, le jour du Seigneur. Et donc quel temps et quel message? Vous savez, un enfant qui vient au monde a besoin d'être nourri pour grandir, un bébé. Et ce bébé va avoir une nourriture qui lui est adaptée. On parle du lait du premier âge, deuxième âge, troisième âge. Et voilà. Donc, une fois qu'on a discerné le temps, on peut maintenant, n'est-ce pas, apporter le message qui est approprié. Et, le message approprié à ce temps précis. Donc, on peut pas donner n'importe quel message. Et, il faut, n'est-ce pas, d'abord cerner le temps, discerner le temps. Alors, nous avons depuis hier commencé à parler sur le temps pour que vous ayez des informations relatives au temps dans lequel nous sommes, à la saison dans laquelle nous sommes. Nous savons que le Seigneur va revenir selon les Écritures pendant la nuit, c'est-à-dire la nuit spirituellement parlée, hein, la nuit spirituellement parlant. Et donc, c'est-à-dire pendant le temps de trouble, de l'apostasie, de la confusion généralisée, tant sur le plan politique que sur le plan spirituel. Et je vous assure qu'on y est. Voilà. Donc, et nous avons vu également lors des précédents enseignements que la nuit chez les Grecs était divisée en quatre périodes. Et il y a la première période qu'ils appelaient le soir, c'est-à-dire de 18h à 21h. Il y a la deuxième période appelée minuit, de 21h à minuit. La troisième période de minuit à 3h du matin, appelée l'heure du chant du coq. Et la quatrième et la dernière période, c'est le matin, de 3h à 6h du matin. Et les Écritures nous disent que le Seigneur va revenir justement entre minuit et 3h du matin, c'est-à-dire au moment du chant du coq. Et je vous assure que nous y sommes déjà. Voilà, Matthieu 25 nous dit qu'à minuit, on cria « Voici l'époux ». Donc, nous y sommes. Et c'est pour cela que dans les nations, des coqs se mettent à chanter, c'est-à-dire les hommes et les femmes qui aiment le Seigneur, la véritable Église crie, et c'est-à-dire délivre un message qui doit logiquement alerter les uns et les autres, les enfants du Seigneur qui se préparent au retour du Maître. Alors, l'apôtre Paul, justement, dans 2 Timothée chapitre 3, nous dit et nous donne des indices concernant justement ce temps, le temps dans lequel nous sommes. Il dit dans 2 Timothée chapitre 3, « Or, sache aussi ceci, que dans les derniers jours, il surviendra des moments difficiles. » Donc, il parle de derniers jours et nous y sommes depuis l'Église, depuis la naissance de l'Église, donc il y a 2000 ans. L'apôtre Pierre dira que nous sommes justement dans les derniers jours selon la prophétie de Joël 2. Et il dit que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Et c'est ce que nous sommes en train de vivre. Des temps durs, des temps graves, car les hommes seront idolâtres d'eux-mêmes. Donc, il est question de l'égoïsme, et c'est ce qui se passe. C'est-à-dire des hommes qui vont vouloir amasser, 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 et ne pas penser aux autres. Et deuxièmement, Paul dit que ces hommes seront également amis de l'argent. Amis de l'argent. Et nous avons, depuis hier, parlé de la cupidité, de l'avarice, tout ça, des hommes et des femmes qui sont de plus en plus avares. Notre génération est une génération remplie d'avares. Et voilà. Et nous voulons d'abord rester sur le comportement des hommes et des femmes de cette génération et des gens du monde. Nous avons parlé hier, j'ai parlé de trois horloges, parce que quand on parle des temps ou du temps, on voit forcément, on parle forcément des montres, des horloges, et les Écritures nous parlent de trois horloges. La première, c'est Israël. C'est-à-dire, il y a un certain nombre de choses qui doivent arriver au Proche-Orient, en Israël, et, hein, avant le retour du Seigneur, et c'est déjà le cas. Ces choses-là se sont réalisées. Elles se réalisent encore aujourd'hui. La deuxième horloge, ce sont les nations. Les Écritures nous parlent qu'il y aura des guerres, des troubles, tout ça, dans les nations, avant le retour du Seigneur. Et c'est ce que nous sommes en train de constater. La troisième et la dernière horloge,
Ce sont ben, les croyants, hein, toutes sortes de croyants confondus. Qu'ils soient chrétiens, qu'ils soient musulmans, qu'ils soient bouddhistes, qu'ils soient, voilà, en gros, toutes les religions. Parce que les Écritures nous disent notamment qu'il y aura des faux prophètes, il y aura des faux miracles, il y aura des faux Christs, des antichrists. Donc vous voyez bien que ces trois horloges-là sont là et pour, et bien sûr, nous avertir, nous alerter. Et, hein, donc, et les Écritures nous annoncent l'avènement de l'homme impie, de l'antichrist, et ainsi que de plusieurs autres antichrists. Donc là, il est question, bien sûr, de la religion dans sa globalité, la religion humaine, mondialiste, syncrétiste, écuméniste. Voilà. Et donc, ces trois horloges sont là. Et maintenant, en regardant justement aux nations qui représentent une des horloges, nous constatons effectivement que les temps sont difficiles, que les temps sont là, les temps qui ont été prédits par les prophètes, les temps qui doivent précéder le retour du Maître, hein, Yeshua, à notre Dieu, ben, ces temps sont là. Pourquoi? Eh ben, on voit par exemple l'amour de l'argent, la cupidité. Les gens sont prêts à vendre, à se vendre. Les gens sont prêts à tuer pour avoir de l'argent. Vous me direz, mais ça a toujours été comme ça. Oui, c'est vrai, mais il y a de plus en plus des cas. En fait, cet état des choses connaît une croissance exponentielle ces dernières années. Donc, on voit bien que les prophéties bibliques sont vraies, elles s'accomplissent sous nos yeux à une vitesse vertigineuse. Et il est vraiment temps pour nous, enfants de Dieu, de nous préparer de plus en plus pour le retour du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, le roi de rois, le père des armées, le père des chrétiens et le seul véritable père que nous adorons. Voilà. Donc, parlons justement de la cupidité. Nous sommes dans 1 Timothée chapitre 6, le verset 10. Les Écritures nous disent, car l'amour de l'argent est la racine de tous les maux. Et quelques-uns, en étant possédés, se sont détournés de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. Voilà, Paul reçoit de Dieu que l'amour de l'argent est la racine de tous les maux. Alors, tous les maux, eh bien, les guerres sont des maux, les famines, ce sont des maux, et les morts, ce sont des maux. Hein? Donc, toutes les méchancetés que les hommes vivent sur terre, et, voilà, donc, l'escroquerie, tout ça, l'escroquerie, toutes ces choses mauvaises que nous vivons actuellement. Le racisme et tout ça, les attentats, les problèmes, tout ça là, ce sont les conséquences de la cupidité, les conséquences de l'égoïsme, de l'amour de l'argent. Tout simplement, l'homme, quand l'homme vivait sans l'argent, l'homme était, je veux dire, pratiquement heureux. Voilà, pas totalement, parce qu'on peut pas être totalement heureux sans le Seigneur, mais il n'y avait pas autant de méchanceté quand même, parce que les gens vivaient naturellement dans la nature, tranquillement, et dès l'instant où l'homme a commencé à amasser, à créer des banques et à mettre en place des systèmes de finances, hein, donc ben, la méchanceté a pris de l'ampleur. Et Satan sait que l'homme croit avoir besoin d'argent pour vivre, alors que non, on peut faire du troc et vivre naturellement comme nos ancêtres, voyez. Donc, pour vivre, on n'a pas besoin d'un bout de papier avec de l'encre dessus pour pouvoir être heureux. D'ailleurs, ne dit-on pas que l'argent ne rend pas heureux. Et voilà, donc, l'argent ne fait pas le bonheur. Donc, vous voyez que l'homme est tellement devenu cupide qu'il va inventer un système de change, un système, donc le système monétaire, et il en devient esclave, au point de prendre les armes et de tuer son prochain, ses semblables, et sa famille parfois, pour amasser ce bout de feuille, bout de papier. On voit à la télévision, par exemple, ou sur les réseaux, ou dans les journaux, des faits divers, des gens des familles qui s'entretuent, qui s'entre-déchirent, tout ça là, pour
n'est-ce pas, quelques maisons, quelques bouts de terre pour quelques héritages. Et voilà, donc on voit bien que l'argent rend complètement l'homme fou. Donc nous allons voir quelques images justement pour étayer un peu cet enseignement, pour corroborer un peu l'enseignement, pour valider cet enseignement, pour confirmer encore que les Écritures sont vraies, que le Seigneur a toujours raison. Donc nous allons voir par exemple les images des personnes qui vont jusqu'à vendre leur propre corps, à se vendre, à vendre des organes, à aller... Il y en a qui vont dans certains pays où ils vont subir un certain nombre de chirurgies, d'opérations chirurgicales pour se faire retirer un certain nombre de choses, d'organes qu'ils vont revendre juste pour avoir de l'argent. Regardez-moi par exemple cette image-là. Vous avez cette personne, comment elle a été recousue. C'est une opération chirurgicale, mes amis, sauvage. Tout ça pourquoi? C'est juste un enfant, hein. C'est un enfant là que je vois là. Pour vendre un rein. Voilà. Et afin de se faire de l'argent. Parce que il y a la pauvreté, parce que il y a de l'injustice. Parce que l'injustice également est une conséquence de la cupidité, hein, de l'amour de l'argent. C'est-à-dire, là, ils aiment tellement l'argent qu'ils vont tout garder pour eux. Vous avez également l'image de cet homme qui en est mort, tout simplement parce que il fallait qu'il vende des organes. Hein, donc vous pouvez retirer les enfants qui sont devant les écrans. Voilà, c'est terrible. Voilà, l'amour de l'argent, terrible. Regardez ces statistiques sur le marché. Et voilà, on va monter un peu. Voilà, un business qui rapporte gros, hein, qui rapporte très gros. Sur le marché noir des organes, tout a un prix. Sur le marché noir des organes, tout a un prix. Voici quelques estimations de medicatranscription.org. La peau, pour vendre sa peau. Et 10 euros par centimètre carré. Pour vendre sa peau. Donc ça, je viens de découvrir aussi. Je ne savais pas qu'on pouvait vendre sa peau. Pour vendre les mains et les avant-bras, 290 euros. Pour vendre une épaule, 380 euros. La rate, 385 euros. Pour vendre son estomac, 385 euros. Scalp, 460 euros. Pour vendre une dent, une seule dent, 910 euros. Une paire de globes oculaires, 1150 euros. Une artère coronaire, 1150 euros. Pour vendre de ses intestins, l'intestin grêle, 1910 euros. Pour vendre son cœur, 90 000 euros. Le foie, 157 000 euros. Pour vendre un rein, 200 000 euros. Vous vous rendez compte, mes amis, 200 000 euros. Ces prix peuvent fortement varier selon les personnes qui vendent, à qui sont vendus les organes et où. Le plus scandaleux reste la marge que se font les trafiquants. Récemment, un suspect dans un scandale de trafic d'organes au Kosovo a été arrêté. Il est soupçonné d'avoir payé des donneurs environ 15 000 euros pour un rein qui était ensuite revendu entre 80 et 100 000 euros. Des personnes riches et souvent désespérées sont prêtes à mettre n'importe quel prix pour sauver un de leurs proches et les trafiquants en profitent. Voilà, donc vous vous imaginez un peu, mes amis. Alors, on va, voilà, d'autres images. Et voilà, ça, ce sont des reins, hein, donc qui ont été vendus et des bouts de peau. Vous voyez, donc on a prélevé la peau de cet homme, hein, pour vendre. Voilà. Alors, avant de on continue encore dans les images, là. Voilà. Donc là, ce sont les reins toujours, hein. Voilà. Des reins qui ont été prélevés, des reins, des... Alors, nous avons une légende ici. Donc, les pays prédateurs, hein, en rouge. Vous avez pays d'origine de clients, de transplantation d'organes.
Alors, vous avez bien sûr le Canada et les États-Unis, vous avez l'Oman, vous avez le Yémen, l'Australie, le Japon. Donc, bien sûr, les pays riches. Et ensuite, les pays donateurs, pays d'où proviennent les organes. Vous avez le Brésil, vous avez l'Égypte, vous avez la Turquie, la Moldavie, l'Iran, l'Inde, le Népal, la Chine et les Philippines. Voilà, donc pour l'instant, l'Afrique est encore un peu épargnée. Voilà. Donc, c'est terrible, c'est grave ce qui se passe. Et ça, ces choses-là, dans beaucoup d'églises, on n'en parle pas parce que ben, on a compris que ces églises aussi sont tombées dans la cupidité. Ces pasteurs prêchent pour de l'argent, ces chantres chantent pour de l'argent. Ça, on en parlera. Il n'y a pas de problème. Mais en tout cas, restons sur les nations, ce qui se passe dans les nations à cause de la cupidité. Alors, allons voir ce que les Écritures disent dans le livre d'Apocalypse, chapitre 18. Pour le chapitre 18, à partir du verset 1er. Après ces choses, je vis descendre du ciel un autre ange qui avait une grande autorité et la terre fut illuminée de sa gloire. Il cria avec force à haute voix et il dit, elle est tombée, Babylone la grande, et elle est devenue la demeure de démons et le repère de tout esprit impur et le repère de tout oiseau impur et détestable. Car toutes les nations ont bu du vin de sa prostitution effrénée et les rois de la terre ont commis la fornication avec elle et les marchands de la terre se sont enrichis par l'excès de son luxe. Puis j'entendis une autre voix qui disait « Sortez de Babylone, mon peuple, afin que vous ne participiez pas à ses péchés et que vous n'ayez pas de part à ses fléaux. Car ses péchés se sont montés jusqu'au ciel et Dieu s'est souvenu de ses iniquités. Rendez-lui selon ce qu'il vous a fait et payez-lui au double selon ses œuvres. Et dans la coupe où elle vous a versé à boire, verse-lui au double. » Autant elle s'est glorifiée et plongée dans le luxe, autant donnez-lui de tourments et de deuil. Car elle a dit en son cœur, je siège en règne, en reine, je ne suis pas veuve et je ne verrai pas de deuil. C'est pourquoi ces plaies qui sont la mort, le deuil et la famine viendront en un même jour et elle sera entièrement brûlée au feu. Car le Seigneur Dieu qui les jugera est puissant. Et les rois de la terre qui ont commis la fornication avec elle et qui ont vécu dans le luxe la pleureront et mèneront deuil sur elle en se frappant la poitrine quand ils verront la fumée de son embrasement. Et ils se tiendront éloignés de la crainte de son tourment et diront « Malheur, malheur, Babylone la grande, cette ville si puissante, comment ta condamnation est-elle venue en une seule heure ? Les marchands de la terre aussi pleureront et seront dans le deuil à cause d'elle parce que plus personne n'achète leur marchandises. Donc, vous voyez bien, les hommes aujourd'hui sont considérés comme de la marchandise, tout simplement. Vous avez pu voir les images, hein. Voilà. Qui sont des marchandises d'or, d'argent, de pierres précieuses, de perles, de fin lin, de pourpre, de soie, d'écarlate, de toutes sortes de bois odoriférants, de toute espèce de bois de senteur, d'ivoire et de toute espèce de vaisseau de bois très précieux, d'airain et de fer et de marbre. Du cinnamome, des parfums, des essences, de l'encens, du vin, de l'huile, de la fine fleur de farine, du blé, de bœufs, des brebis, des chevaux, des chars, des esclaves et des âmes d'hommes. Des esclaves et des âmes d'or. On va nous trouver aussi des images des enfants esclaves qui travaillent. Il y a tout ça là. Il y a l'esclavage moderne. Tout ça là. Donc on nous parle des esclaves et d'âmes d'hommes. Ben voilà. Voilà. Donc vous voyez bien que les Écritures annonçaient ces choses. L'apôtre Jean a écrit ces choses en disant que Babylone ici représente les nations, le monde. Elle représente à la fois le système religieux, et c'est-à-dire l'ensemble de la religion humaine, l'ensemble des religions du monde, réunies sous la bannière du faux prophète et de l'antichrist. Et Babylone représente aussi le système politique. Donc, et là, on nous dit que Babylone, justement, est remplie de marchands. Et c'est pour cela que le Seigneur avait chassé du temple les marchands. Hein, donc, vous comprenez pourquoi beaucoup de pasteurs vendent des Bibles, beaucoup de chrétiens vendent des Bibles, vendent des concerts chrétiens, tout ça, et des CD, tout ça. Donc, ce sont des marchands. Ils ont beau avancer des arguments du genre, il faut les imprimer, il faut les sortir de les CD, il faut les faire masteriser, tout ça là. Tout ça là, c'est, mes amis, des arguments complètement charnels, bidons.
Voilà. Si Dieu est à l'origine d'une œuvre, il touche les cœurs des frères et sœurs qui financent. Voilà. On n'a pas à vendre quoi que ce soit qui vient du Seigneur. On ne vend pas la parole ni les dons qui sont des dons de grâce. Voilà. Donc, on en parlera si Dieu permet. Mais en tout cas, regardez-moi. Donc, on parle des esclaves. Eh ben, vous avez des enfants, là. Vous qui avez des enfants. Imaginez vos enfants, les enfants de cet âge-là. Ils ont quoi? Moins de 13 ans et ils sont en train de travailler d'arrache-pied pour trouver de l'or. Et vous avez des trafiquants qui sont derrière, qui veillent et tout ça qui les surveille. Donc, s'il y a d'autres images, on va les passer. Voilà. Donc, l'esclavage, regardez-moi cet enfant qui est obligé de porter hein, de kilos et de kilos. C'est terrible. Il est en train de souffrir. Et c'est un enfant qui a moins de 13 ans. Hein, le travail et l'esclavage des enfants sont monnaie courante dans les plantations de cacao. Un scandale dont les fabricants de chocolat ont connaissance depuis de nombreuses années. Voilà. Donc, quand on mange le chocolat, voilà comment mes amis, voilà ce chocolat, hein, regardez d'où vient ce chocolat que tu manges, mon frère. Et voilà. Donc, ce sont des enfants qui souffrent. Et ici, vous avez un Asie. Donc, vous avez Shaki Khan, 10 ans, dans une usine de textile à Dhaka, au Bangladesh. Voilà. Donc, 10 ans. Et il travaille comme un malade, comme une grande personne. Et voilà, c'est vous qui avez des enfants de 10 ans, hein, des enfants de 12 ans. Nous tous, hein, on est parents. Et voilà le monde dans lequel nous sommes, mes amis. Voilà. C'est l'accomplissement de la prophétie biblique. Voilà. Donc, on continue dans les images. Voilà. Donc vous avez vu, hein, les Écritures disent que à cause de la cupidité, ben, les marchands hein, de Babylone, du monde, hein, les hommes de ce monde qui sont amis de l'argent, ben, ils vont vendre les âmes, ils vont acheter les âmes, vendre et en acheter les âmes. Hein, voilà, ils vont aussi être à la base d'un système qui encourage l'esclavage. Donc voilà, vous avez 52% des victimes de traite des personnes sont des enfants en Afrique. Voilà, 62% des victimes de traite de personnes sont des enfants en Afrique. C'est quand même énorme, énorme, énorme. Donc l'Afrique n'est toujours pas sortie de l'esclavage. Les enfants représentent 62% des victimes de la traite de personnes dans certaines parties du monde, dont l'Afrique et le Moyen-Orient, indique le rapport mondial sur la traite des personnes en 2014. Voilà, publié lundi dernier à Vienne, tout ça, voilà. Voilà. Donc, plus de 2 milliards de personnes ne sont pas suffisamment protégées contre ce phénomène par leur législation nationale, indique le même rapport cité dans un communiqué annexé. Selon cette publication, une victime sur trois de la traite des personnes comme connue est un enfant, soit une augmentation de 5% par rapport à la période de 2007-2010. Les filles représentent 2/3 des enfants victimes et sont avec les femmes 60% des victimes de la traite à travers le monde, écrivent les auteurs du document. Malheureusement, le rapport montre qu'il n'y a aucun endroit dans le monde où les enfants, les femmes et les hommes sont à l'abri de la traite de personnes, a déclaré le directeur exécutif de l'ONUDC. Voilà. Donc il y a tellement de choses, mes amis, il y a tellement de choses, et les Écritures sont vraies. Vous qui ne croyez pas que la Bible, les Écritures bibliques soient inspirées de Dieu, ben, vous avez d'un côté les prophéties bibliques et de l'autre, vous avez hein, les informations qui nous viennent des nations, les réalités que connaissent les hommes de ce monde. Donc, vous voyez bien que les Écritures sont vraies. Jésus-Christ a prophétisé. Il a envoyé ses enfants, ses prophètes, ses ministères, ses ministres, ses serviteurs, ses esclaves pour nous avertir. Voilà. Alors, le trafic d'êtres humains, les prix d'un marché juteux. Voilà. Donc, les médias parlent régulièrement du trafic humain, hein, d'humains, mais savez-vous combien coûte, hein, combien nous coûtons sur le marché? Le site Avoscope a rassemblé une liste non exhaustive de prix d'enfants et de femmes. Donnée à titre indicatif, les tarifs peuvent varier selon l'âge, le sexe ainsi que le pays d'origine. Que ce soit pour en faire un enfant soldat, une future mariée ou une prostituée, les raisons de ce trafic sont multiples. Un bébé au Nigeria coûte 4 924 euros. Un bébé en Chine coûte 6 001 euros.
Un bébé en Malaisie coûte 5 069 euros. Un bébé dans le Nord Caucase, la Russie, coûte 13 465 euros. Un enfant en Chine, 4 693 euros pour les garçons, 384 euros pour les filles. Vous vous rendez compte la différence? Un garçon, 4 913 euros pour les garçons. Hein? Et pour les filles, juste 384. Voilà. Un enfant au Ghana, 38 euros. Waouh! Aux parents, puis 230 aux trafiquants. Un enfant en Inde, 34 euros. Un buffle se vend 269 euros en Inde. Donc, les animaux sont beaucoup plus importants que les humains. Un enfant en Irak, entre 230 et 432 euros. Un enfant au Mali, 461 euros pour un enfant soldat. Un enfant en Thaïlande, 19 euros pour louer un enfant mendiant. Un enfant au Royaume-Uni, 19 236 euros. Une fille en Roumanie, de 2 308 euros à 4 616 euros. Une fille au Bangladesh, 192 euros. Une fille au Mozambique, 1 euro 53 centimes. Un Yéménite, 669 euros pour une livraison en Égypte. Un Canadien, 3 754 euros payés par un proxénète à un trafiquant. Une adolescente iranienne, 3 847 euros pour une vierge. 1 923 pour une non-vierge. Une adolescente québécoise vendue en Ontario, 4 608 euros. Une femme au Pakistan, 200 63 euros. Une femme au Mozambique, 515 euros depuis l'Afrique du Sud. Une femme du Myanmar pour servir d'épouse à un Chinois, 5 617 euros. Une femme au Népal, 750 euros à Bombay. Une femme au Nigeria, de 30 778 euros à 60 018 euros à un proxénète qui la mettra sur un trottoir italien. Une femme de Corée du Nord, 820 euros lorsqu'elles ont la vingtaine. 585 euros sinon lorsqu'elles ont la trentaine. 350 euros, 51, lorsqu'elles ont la quarantaine. Oh Seigneur, sauve-nous. Une femme du Vietnam achetée par un Malaisien pour se marier, 4 750 euros. Une femme du Mali, moins de 769 euros pour une mariée. Seigneur, mon Dieu. C'est chaud, mes amis. Vous pouvez nous appeler si vous le souhaitez pour commenter, hein, quand même. Et si vous avez des choses à partager, à dire. Et voyez ces choses-là dans nos assemblées, très peu de gens en parlent. Voilà, on est dans un monde. Hein, des chrétiens se disent, on est là, on va rien faire, on va pas se renseigner sur ce qui se passe dans le monde. Nous sommes la lumière du monde. Comment voulez-vous éclairer le monde avec la lumière que vous êtes, que vous avez, si vous n'avez pas les informations sur ce qui se passe dans le monde? Voyez, nous avons, en tant que chrétiens, intérêt à être informés sur les réalités du monde, sur ce qui se passe dans le monde, afin de mieux aider les uns les autres. C'est important. Vous ne pouvez pas aider quelqu'un qui est dans les ténèbres si vous n'êtes pas conscient de cette ténèbre. Hein? Donc, voilà. Donc, le travail des enfants. L'amnistie dénonce le coût humain des nouvelles technologies. Voilà. Donc toujours, nous sommes toujours dans l'esclavage hein, moderne. L'Amnesty International appelle l'industrie électronique et automobile à faire preuve de vigilance dans ses approvisionnements en cobalt, un composant de batterie produit par des enfants en République démocratique du Congo. J'avais même pas compris que cette image venait de mon pays d'origine. Seigneur, sauve cette nation. Qui aujourd'hui peut se passer volontairement d'un téléphone ou d'un ordinateur portable, d'une tablette ou autre objet connecté et mobile? Peu de monde. Et qui veut savoir dans quelles conditions et avec quels matériaux sont fabriqués ces outils? Pas les multinationales qui les produisent, en tout cas, si l'on en croit le dernier rapport d'Amnesty International rendu public mardi 19 janvier. À l'issue d'une enquête menée auprès de 16 entreprises, telles qu'Apple, Samsung, Sony, Microsoft ou Daimler, tout ça, l'ONG affirme que ces sociétés sont
dans l'ensemble, incapable de déterminer l'origine du cobalt nécessaire aux batteries lithium qu'elles utilisent dans leurs produits. Et c'est là que le bât blesse. Plus de la moitié de la production mondiale de cobalt provient de la République démocratique du Congo, où le minerai est extrait par des enfants, parfois âgés de 7 ans, et des adultes qui travaillent dans des conditions périlleuses. Périlleuses, c'est terrible. Au moins 80 enfants ou adolescents sont morts sous terre dans le sud de la RDC entre septembre 2014 et décembre 2015. Des chiffres à minima car de nombreux accidents ne sont pas signalés et les cadavres restent ensevelis sous les décombres, précise le rapport. Seigneur, sauve-nous. Sauve-nous. Et des enfants racontent qu'ils travaillent parfois jusqu'à 12 heures par jour dans les mines pour gagner entre 1 et 2 dollars par jour. Selon l'UNICEF, en 2014, environ 40 000 enfants travaillaient dans les mines dans le sud de la RDC, dont beaucoup dans des mines de cobalt. Waouh ! Je passais 24 heures d'affilée dans les tunnels. Ça, c'est ce que raconte un jeune. Je passais 24 heures d'affilée dans les tunnels. Je devais me soulager dans les tunnels, raconte Paul, 14 ans, 13 heures depuis ses 12 ans. Voilà le monde dans lequel nous sommes. Le rapport d'Amnesty remonte la filière du cobalt en RDC, dont la production est concentrée au Katanga, région dans le sud-est du pays. Des négociants y achètent le minerai pour le revendre à une filiale locale du géant chinois de l'exploitation minière, Zhejiang Huayou Cobalt. Voilà. Le cobalt est ensuite traité sur place avant d'être revendu à des fabricants de composants de batteries en Chine et en Corée du Sud. Ces derniers revendent à leur tour leurs composants aux fournisseurs de batteries des grands groupes électroniques et automobiles. Derniers dans la chaîne de production, ils disent ne pas être informés des origines des composants utilisés. Voilà, il y a tellement de choses à dire. Tellement de choses à dire, mes amis. Voilà la réalité du monde dans lequel nous sommes. Voilà. Et ces hommes, ces trafiquants ont des enfants. Des enfants sont achetés. Comme là, les images que vous voyez, des millions d'hommes, de femmes et d'enfants à travers le monde sont actuellement victimes du trafic d'êtres humains, achetés et vendus comme des marchandises forcées à se prostituer et à travailler. On retrouve ce commerce aux quatre coins du monde et il s'agit d'une activité lucrative. Le Bureau international du travail estime que le travail forcé génère 150 milliards de dollars en profits illégaux chaque année. Deux tiers provient de l'exploitation sexuelle. Mais qui sont les personnes derrière les chiffres? Kemi Ebikisu du Nigeria, Jen du Royaume-Uni et Gabi des États-Unis décrivent comment ils sont tombés aux mains des trafiquants. Les principaux itinéraires de trafic. Voilà, vous avez vu la carte là, comment ça se passe. C'est la fin, on est dans un temps de confusion. Nous sommes vraiment en plein accomplissement de la prophétie biblique, frères et sœurs. Préparez-vous pour le retour du Mashiach. L'heure est grave. Voilà, vous avez vu, les Écritures nous disent qu'à la fin du temps, les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, mais voilà, à cause de la cupidité. À cause de l'amour de l'argent, les hommes sont prêts à toutes sortes de choses. Et sans parler, bien sûr, de la vente d'armes, la vente des cigarettes qui détruisent des vies de plus en plus avec différentes sortes de cancers qui frappent les humains. Et en fait, la machine est tellement lancée qu'on ne peut plus faire marche arrière. Il n'y a que Dieu qui mettra fin à toutes ces barbaries. Voilà, je n'en parle pas parce que pour faire croire aux gens que ce sont les chrétiens qui vont amener la paix sur terre. Non, la paix sera établie, installée, restaurée, instaurée par le prince de paix, Yeshua, le maître des maîtres. Nous ne faisons que vous informer et puis en priant que le Seigneur puisse épargner des vies
dans la mesure du possible, et que ceux et celles qui sont trafiquants, ben, qui peuvent être touchés par cet évangile, l'évangile de Christ, eh ben, se repentent et viennent au Seigneur Yeshua pour être sauvés. Voilà, mes amis, cette courte exhortation. Donc, je ne sais pas s'il y a deux ou trois images qu'on va rapidement diffuser. Mais nous sommes dans des temps critiques. Alors, voyez, avec toutes ces images, avec toutes ces informations, nous pouvons facilement discerner le temps. Le temps est à la cupidité. Maintenant, quel message donner? Quel message? Eh bien, le message est toujours le même. Donc, c'est l'amour. Et il y a deux commandements qui nous sont donnés, deux commandements fondamentaux, principaux. Il faut aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa force, de toute sa pensée, et son prochain comme soi-même. Son prochain n'est pas forcément celui qui te ressemble physiquement, et n'est pas forcément celui qui vient du même pays que toi. Ton prochain, c'est tout être humain, d'où qu'il vienne, quel qu'il soit noir, blanc, jaune, pauvre, riche, voilà. Et sans parler bien sûr aussi des enfants violés, on m'a fait signe ici, des enfants violés, bon, on peut rapidement voir, et c'est impressionnant tout ça, à cause de l'amour de l'argent, de la cupidité, et tout ça, et, des parents vont vendre leurs enfants pour qu'ils soient violés, et c'est horrible, hein, c'est l'horreur, hein, l'horreur absolue, voilà, l'horreur absolue, 5 enfants torturés, violés et filmés, c'est complètement l'horreur absolue. C'est impressionnant. Et voilà, des enfants. Je crois que nous avons quelqu'un en ligne. Et vous savez, nous sommes parents, nous avons des enfants, nous les aimons. Et aucun parent digne de son nom n'accepterait de voir son enfant être vendu, violé, être abusé sexuellement sur tout le plan. Et c'est terrible. Un viol sur mineur a lieu toutes les heures en France. Un viol sur mineur a lieu toutes les heures en France. Quelle horreur! 8184 viols sur mineurs ont été signalés en 2016 contre 7416 en 2015. Cela représente une augmentation de 10%. C'est impressionnant. De plus en plus de victimes âgées de moins de 18 ans. Le nombre de viols progresse en France, passant de 13 881 cas en 2015 à 15 848 en 2016, soit une hausse de plus de 14%, révèle le Figaro. Parmi ces victimes d'agressions sexuelles, la plupart des mineurs a également augmenté, passant de 7 416 en 2015 à 8 184 l'année dernière. Une progression de 10% qui conduit à faire état de quasiment un viol par heure, selon ces statistiques enregistrées par la police et la gendarmerie. C'est la gendarmerie, c'est impressionnant. C'est impressionnant. Donc nous avons quelqu'un au téléphone. Allô, bonsoir. Allô, bonsoir, frère. Oui, Choix. Oui. Oui, bonsoir. Alors déjà, que Dieu soit béni pour l'émission. Je voulais intervenir par rapport à ce que vous disiez sur l'esclavage des enfants pour la fabrication de technologies vendues en Occident. D'accord. En fait, je me suis renseignée sur la question de technologies les moins qui demandent le moins les technologies éthiques. Il existe un téléphone qui s'appelle le Fairphone. C'est-à-dire le téléphone juste. J'ai pas été sur place, mais c'est un téléphone qui est fabriqué en Europe, il me semble, et vendu sur Internet et fabriqué dans les conditions éthiques, pas par des enfants alors j'ai pas regardé le prix, mais ce sont des smartphones qui sont dans l'optique de surtout pas faire intervenir des enfants dans des endroits appauvris de la planète. Je personnellement j'en ai pas commandé. J'ai commandé plutôt moi quand j'ai eu besoin de renouveler mon téléphone. À l'époque je connaissais pas, mais je prenais des occasions pour éviter de faire fabriquer de nouveaux téléphones à des enseignes qui s'en mettent plein la poche. Mais c'est vrai que c'est une question qui n'est pas assez abordée
dans la chrétienté que tout ce qui est téléphone, technologie. Et quand j'en ai parlé autour de moi, les gens sont plus « Oh, mais Dieu va faire !» ou enfin voilà, c'est, enfin, je sais que dans les, surtout dans les églises classiques, enfin les églises, les bâtiments d'église avec des pasteurs qui sont qui ne s'occupent pas du tout de ça. Ben voilà, la question n'est pas vraiment abordée, mais l'esclavage humain, ouais, il y a ça, et le trafic d'humains qui est encouragé par tout ce qui est dot et dîme, qui voilà, qui aboutit pareil au trafic d'humains. Et c'est vrai que c'est on n'en parle pas assez dans la chrétienté, et que Dieu soit béni que vous en parliez ce soir, parce que c'est vrai que c'est important au quotidien. Que Dieu soit béni. Malheureusement, beaucoup de pasteurs sont devenus des fonctionnaires. Et ils regardent beaucoup plus à leur porte-monnaie, à leur poche, à leur salaire et à leur retraite, plutôt que de prendre position pour la vérité et puis avertir surtout les gens et informer le monde. Parce qu'il y a beaucoup de personnes athées, de personnes non-croyantes qui ne sont pas au courant de ces choses-là. Et le rôle de l'Église en tant que lumière de la terre, parce que nous sommes la lumière du monde. Et le sel de la terre, selon les Écritures, Matthieu 5 le dit, le Seigneur le dit, nous avons cette mission, cette responsabilité d'avertir, de prévenir, d'annoncer cet évangile et de dire aux gens, ben voilà ce qui se passe, voilà ce que Dieu dit, et voilà ce qui se passe. Donc que Dieu soit béni. Bon, on va se renseigner sur ce type de portable. Fairphone, Fairphone, Phone, P-H-O-N-E, c'est les deux mots collés ensemble sur Internet, on peut trouver ça. Et voilà, sachant qu'il y a des personnes athées qui sont même plus renseignées que les chrétiens, enfin les chrétiens, ceux qui se disent chrétiens, que nous, enfin que les chrétiens, sur la question de tout ce qui est éthique ou quoi. Donc c'est vrai que ça peut être aussi délicat de prêcher à des athées quand eux-mêmes sont plus au courant que nous de la question. Et comment on appelle ça? Et il y a aussi ouais, bon, je sais plus ce que je voulais dire, mais en tout cas, voilà, que Dieu soit béni. Il existe des choses, et c'est vrai que voilà, j'allais justement dire que c'est un peu difficile aussi pour nous de parler de Dieu et de l'éthique dans le monde quand nous-mêmes on utilise les technologies qu'on dénonce. Hein. J'avoue que j'ai un PC. Bon, ça fait un moment que je l'ai, ça doit faire 7 ans que j'ai, mais j'ai un PC portable qui a dû en partie être fabriqué ou conçu par des enfants quelque part. Et je ne sais pas comment Dieu le voit, mais bon, jusque-là, il m'en a pas parlé, mais ouais, c'est une question importante. En tout cas, que Dieu soit béni. Gloire à Dieu. Bonne continuation, ma soeur. Merci. Merci. Au revoir. Au revoir. Voilà, mes amis, ce qui se passe un peu dans les coulisses. Hein, donc, on a besoin d'avoir le discernement sur le temps. Hein. Le discernement, c'est quoi? C'est quoi le discernement? Le discernement, c'est l'information. Voilà, discerner, c'est être informé. C'est ça, le discernement. Le discernement des esprits, c'est avoir la connaissance, l'information sur les esprits qui travaillent. Est-ce qu'ils sont de Dieu ou du malin? C'est tout simplement de l'information. Donc, le discernement que le Seigneur nous invite à avoir, qui vient de son esprit, et n'est autre que de l'information sur l'état réel du monde. Voilà. Nous, en tant que chrétiens, nous sommes comme nous sommes missionnaires. Nous avons une mission. Nous avons la parole de vie. Nous avons la vie éternelle grâce à Jésus-Christ. Nous sommes le sel de la terre. Nous sommes la lumière du monde. Nous avons reçu les dons de grâce de la part du Seigneur. Nous sommes comme des médecins qui ont reçu l'onction, l'autorité pour soigner les malades, qui sont les inconvertis. Mais comment voulez-vous soigner un malade si vous ne faites pas un scanner, si vous ne faites pas un diagnostic, tout ça, un examen complet sur la personne souffrante? Et comment voulez-vous la soigner si vous ne savez pas de quoi la personne souffre? Nous ne disons pas que nous allons soigner la terre, mais il y a des gens dans le monde qui ont besoin de l'aide, qui demandent de l'aide et qui ont besoin justement d'entendre parler du Seigneur. Et c'est pour cela que le Seigneur nous donne cette connaissance, cette grâce de pouvoir discerner le temps dans lequel nous sommes et pour mieux appréhender les choses, pour apporter la solution, c'est-à-dire l'évangile. Voilà, donc nous avons discerné grâce aux Écritures, grâce aux prophéties et également aux faits réels, aux informations qui sont à notre possession et sur ce qui se passe dans le monde. Eh ben, nous avons pu identifier, cerner, discerner le temps dans lequel nous sommes. Donc, et quel temps? Ben, c'est tout simplement le temps de la cupidité, voilà, de l'égoïsme, tout ça. Beaucoup veulent amasser pour, n'est-ce pas, partir avec cet argent où? Ben, nulle part.
Et entre-temps, ben, vous avez des gens qui souffrent, des enfants qui sont exploités, des femmes qui sont exploitées, des jeunes, des mineurs qui sont violés, des gens qui meurent. Voilà, donc tout ça, pourquoi? Pour juste qu'une poignée d'individus s'enrichissent. Voilà. Nous avons quelqu'un d'autre en ligne, je crois. Allô, bonsoir. Non, on n'a personne en ligne. Voilà, mes amis, que le Seigneur nous garde. Alors, soyez préparés, soyez prêts, soyez conscients de cette réalité de choses, de cet état de choses. Donc, nous sommes vraiment à la fin de toute chose. Le Seigneur revient. Et le message à apporter, c'est l'amour. Hein. Aimons-nous les uns les autres, prions les uns pour les autres. Et puis, avertissez les uns et les autres sur les dangers, sur ce qui se passe et surtout sur le retour glorieux du Seigneur. Nous bénissons Yeshua, notre maître, nous bénissons les autorités, nous bénissons les gendarmes, les ministres, les préfets, toutes les autorités comme la parole nous le recommande, les policiers, tout ça, et nous prions pour la France, nous prions pour l'Europe, nous prions pour les nations, nous prions pour Israël et pour la Palestine au nom de Yeshua, notre maître, notre Dieu. Soyez bénis. Merci à l'équipe technique. À bientôt sur TV et à Radio de Vie. Au revoir.